Ah, on est mieux là! Voilà, on est bien! On est bien! Allez, rebuild game du coup de Kindred en. En quoi? En Emerald 4. Ok, c'est parti. Au niveau des ruines, il joue avec 13 attaques comme vous pouvez le voir sur votre écran. Alors moi, j'aurais préféré jouer Conquérant parce que contre Ekarim, Cassandra, Renekton, c'est de la frontline. Je préfère Conquérant. Mais ça marche quand même très bien, 13 attaques, parce que Ekarim, ça reste très squishy. Souvent, ça se joue létalité. Et contre Vayne, Morgana, Cassandra, c'est vraiment fine. Est-ce qu'il va nous faire Lin Vayne niveau 2 en passant par le pit du Nashor? Il ne fait pas ça, c'est un joueur réfléchi, c'est un joueur calme et posé. Bravo à lui, il ne flippe pas, il ne cheese pas. C'est tout à son honneur. Velociraptors, alors ici, qu'est-ce qu'il faudrait faire ici? Il faudrait invade le Ekarim à son raid. Absolument, 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 je veux voir une invade là, je vous en supplie. On a prio mid, prio bot, égale invade. Au lieu de ça, on va faire une crise d'épilepsie sur les raptors. Bon, du coup, ça rend un peu l'invade compliqué, mais c'est dommage. Parce que là, si le clear est bien maîtrisé, c'est un kill au raid, c'est une fin de game. Et au lieu de ça, on s'est chié sur le clear jungle. Du coup, le Karim, il arrive niveau 4 en bot lane, alors que nous, on est encore sur le bleu. Donc là, c'est catastrophique. Il faut vraiment que le clear jungle soit maîtrisé, les gars. C'est primordial. Ensuite, là, on a le TF qui décale. Ok, très bien. Tu fais bien de faire ton. Putain, il s'en bat les couilles, le Karim. Ouais, c'est un malade. C'est un malade, le Karim. Allez, 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 allez. Ok. On aurait peut-être pu lâcher le Scuttle ici. Après, c'est improbable que le Karim court en ligne droite sur le Twisted Fate. Il aurait dû avoir peur normalement. Donc, bon, écoutez. Pourquoi pas, on va dire, pourquoi pas. Jusque-là, juste voilà, énorme problème de Clear Jungle. Hein. Ça, c'est super important quand même, les gars, le Clear Jungle. Ici, on peut pas trop jouer quoi que ce soit. Il y a quoi que le Karim? On peut potentiellement l'invade à son gros. Malheureusement, le Jax, c'est très low HP. Après, il y a toute cette fête qui peut venir. Hein. Franchement, moi, une petite invade au Gromp, là, ça me déplairait pas. Hein. Ça me déplairait pas du tout. Ok, allez, j'aime bien. Voyons voir comment je joue ça. Malheureusement, il a déjà fait. Donc, allez, vas-y, on se barre, on se barre, on se barre, on se barre, on se barre. Là, en vrai, ta game, c'est de la merde, juste parce que t'as niqué ton clear jungle. C'est pour ça que, avant de remettre en question vos décisions, vos items, vos champions, faut que votre clear jungle, il soit parfait. Là, on perd du temps au top. Il va absolument rien se passer. Là, c'est de la grosse merde. Hein. T'es niveau 4, il est niveau 6, il peut 1v2 tous les jours. Ne fais pas ça. Je t'en supplie, va juste à tes raptors, essaie de. Faut que t'écopes là. Là, c'est la merde, la game, c'est la merde, il faut que tu écopes. Il faut absolument écoper là. C'est de la grosse merde. C'est de la grosse merde. C'est le pire gang de tous les temps. Il est niveau 6! Regarde, t'es écrit sur sa tête! Niveau 6, niveau 4! T'es en train d'essayer d'attaquer un tank avec une fourche! Littéralement! Qu'est-ce que tu es en train de me faire? Aïe 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 aïe, on s'est un peu perdu ici. Allez, allez, il faut clear la jungle ici. Il faut tuer les corps de la jungle. Je vous en supplie. Ne prenez que les frigans, les amis. Même si vous avez un mauvais début de game, ça peut arriver. Mais c'est pas parce que vous avez un mauvais début de game qu'il faut devenir complètement fou. Il faut continuer à jouer clean. Si vous jouez plus clean que votre adversaire, au bout d'un moment, vous allez réussir à comeback parce que on est en émeraude. T'as rien besoin de faire. Le Karim, il va finir par run down au bout d'un moment. Ok? Allez, on continue. Donc là, il faudrait absolument. Back, on a 1000 gold. Bon, c'est de la merde, hein. Mais c'est de la merde, mais on a rien d'autre à foutre sur la map là. La wave au bot, elle est crash, donc on a rien à faire au bot. Au mid, il est niveau 7, la wave est crash. GG Rome du 37, il a pas besoin de toi. Là, on back directement. On back ou alors on fait le Drake, mais on veut pas faire le Drake. Pourquoi on veut pas faire le Drake? Parce qu'on s'en bat les couilles du Drake, on s'en bat les couilles, c'est de la merde, ne faites pas le Drake. Back, 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 back. C'est tellement random ce qui se passe. Tu vois, là, regarde, si t'avais back. Ok, le Karim il prend un kill au bot, mais c'est pas ton problème. Mais si t'avais back, t'aurais pu foncer à l'Hérald et prendre l'Hérald. Parce que là, t'as de la chance encore. Enfin, comment dire? Ça n'a aucun sens en fait ce qui se passe. Regarde, là normalement, quand la wave est dans cet état-là, il faut juste. Genre les. Ok, ils sont en train de dive. Voilà. Il faut juste les laisser back tranquillement. Après, j'avais pas vu qu'il y avait un dive en vrai. Bon. Mais en tout cas, moi vraiment, j'aurais préconisé un back rapido pour aller à l'Hérald directement. Ça aurait été beaucoup mieux. Enfin bref, bon c'est un peu random, en tout cas on prend le counter gank ici. On arrive à prendre le kill, c'est bien joué. Ici faut push la wave. Ok, ça c'est bien, ça c'est bien. En fait, vous devez aller en bot lane quand la wave n'est pas crash. Mais là la wave était crash, donc il n'y avait rien à faire. Il n'y avait pas de dive non plus parce que la Morgana était toute seule. Je sais pas si c'est clair ce que je raconte. Mais ouais, bon là il faut back. Aïe 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 aïe, on back pas, on back pas. Bon alors il faut clear les Krugs maintenant, il faut clear les Krugs et back après. Allez, comme ça on s'en met plein les poches. Voilà, allez, on back maintenant, juste en supplie, ne va pas. Ah si, il y a le Karim bot. Ok, marque. Marque plus important que l'Hérald. Là, on s'en fout de l'Hérald. Fais ta marque, t'as absolument besoin de marque.
Ah là, y a Cassandra qui met pas mal de pression. Mais on aurait pu la faire quand même. T'as l'ulti TF, hein. T'as l'ulti TF ici. T'as l'ulti TF ici, c'est dommage, hein. C'est dommage. T'avais l'ulti TF, hein. Il pouvait venir t'aider ici. Ok, le Jax fait un très bon call ici de faire les Heralds. C'est très bien joué de sa part. Et tu pourrais tank pour lui quand même, le pauvre. C'est ton job, hein, de tanker les Heralds. Là, c'est trop tard pour la marque. C'est trop tard. Tu vas crever. Tu vas crever si tu vas. 100%, le Karim a eu le temps de faire le drag de back pendant que vous y allez l'Herald. Là, il est où le Karim? Il est genre ici, là. Il va te péter la gueule. C'est trop dangereux. T'as de la chance, hein, mais... On va voir ce qu'il a fait, on va voir ce qu'il a fait. Mais ça n'a aucun sens. Donc, tu vois, il a pas back après le... Il a pas back après le drag. Mais là, normalement, ce qui doit se passer, c'est que le Karim, il doit back instant après son drag. Il a 1100 gold. Là, s'il back maintenant... Il attend de back et de venir défendre sa marque. Donc là, t'as eu de la chance, quoi. Disons que t'as eu de la chance, t'as flip. Bon, pourquoi pas. Pourquoi pas, pourquoi pas. On a eu la marque, au moins, c'est le principal. Donc là, on n'a pas d'information. On peut farm, c'est bien. C'est très très bien. Voilà, on farm tranquille. Là, il y a peut-être un truc à faire au mid. Donc il faut... En allant... Quand tu vas à Telou, tu fais attention au mid. Il y a peut-être un truc à faire. Là, il n'y a rien à faire. On farm. Ok, c'est bien. Là, ça me plaît. Là, on est pas mal. Ok, là, on voit qu'il y a la Morgana qui va passer comme une débile. On va la punir. Ça, c'est bien. Ça, c'est un très bon move. Ça, c'est excellent. On défend la vision. C'est parfait. C'est parfait. Ça, c'est très, très bien, ça. Ça, c'est très, très bien. Et derrière, qu'est-ce qu'on fait? Bam, on revient ici. On prend le groupe. Et là, tu me fais une séquence parfaite. Je t'en supplie, fais-moi le groupe. Et après, tu back. Et après, tu back. Et là c'est 20 sur 20. Si tu back après le groupe, c'est 20 sur 20. Ah, putain, mais back Pourquoi tu fais des pas chassés avant de back? Qu'est-ce que tu fais? Tu es en train de faire du jardinage. Mais non, on va pas chercher la marque. Elle a le bout. On a aucune vision. Il y a Cassandra et Karim. Mais non. C'est beaucoup trop dangereux. Là, le Karim est bot, mais t'avais aucune information sur lui. Hein. Ok, l'Herald de mid, c'est bien. Faut poser maintenant. Allez, l'Herald de mid, c'est parfait. Voyez comment c'est puissant l'Herald, regardez. Ça solo win des games l'Herald. On prend deux tourelles. Regardez, rendez-vous compte de la puissance de l'Herald. Regardez. On est là. Ah, il y a 24 000 gold pour l'équipe des rouges. 24 200. Ok, 24 200. On passe à 24 200 avec la tour. Donc là, ils ont pris 2500 gold, juste avec l'Herald. 2500 gold. Vous vous rendez compte ou pas? Bon, après, il s'est passé des trucs au bot. En vrai, ils ont pris moins que ça. En vrai j'exagère un peu, mais... En vrai, ça fait beaucoup de gold. Ça fait énormément de gold, c'est ça qui est important. J'ai pas la stat exacte, mais ça fait beaucoup. Allez, on fout clear. Ça, c'est bien. Là tu t'améliores. Là, ça commence à jouer clean. On s'est rappelé qu'on était un jungler et qu'il fallait qu'on fasse la jungle. Du coup, c'est bien. Là, n'y va pas. C'est peine perdue, c'est peine perdue, c'est peine perdue. Il est mort, il est mort. C'est mort, n'y va pas. C'est de la merde, c'est de la merde. Pourquoi risquer ça? Bah tu vas mourir, bah oui. Là si le Karim a son R, t'es mort. Si le Renekton a son flash, t'es mort. C'est beaucoup trop risqué. Cassandra peut TP. Pourquoi prendre des fights compliqués quand on peut prendre des fights simples? Et ouais. En fait, les gars, League of Legends, c'est vraiment accepter que tes potes meurent. C'est le plus dur à faire. Hein. Mais faut accepter. Ils vont mourir en boucle, c'est pas grave. Vous devez prendre les bonnes batailles, pas les mauvaises. Allez, après son back. Allez, c'est bien. Le back est bon. Le back est bon. Ok, Karim, il troll un peu. On peut peut-être le punir ici. Ils ont pris le Drake, hein. Mais c'est bien, c'est bien, c'est bien. Ils trollent. Voilà, on punit, on se laisse pas faire. C'est pas mal. Ok. Là, on hésite un peu. Là, t'hésites un peu. Honnêtement, je pense que t'aurais pu continuer par ici pour aller l'embêter à ses cracks ou quoi. C'est dommage d'hésiter ici. Hein. T'hésites pas mal, hein. T'hésites pas mal quand même. Hein. Allez, c'est bien. On les punit. On le tue, Lucien. Hein. On le tue. Jamais il gagne. Allez, on met des autos. C'est bien, c'est bien, c'est bien. Recule, c'est bon. On va lui prendre ses Raptors. Ah, il y retourne. Ok, ça, je ne m'attendais pas. Oh, quel troller ton TF. Mais quel troller. Bah là, c'est pas de ta faute. Là, tu peux rien. Allez, les Raptors, c'est bien. On prend un peu de jungle ici, et là, on continue à farm. On peut défendre le mid. Là, tu peux essayer un truc sur le Cassadin.
Regarde, y a ta team qui arrive. Tu passes par derrière comme ça? Ok, il a des airs, mais... Moi, ça me plaît, hein. Moi, ça me plaît, hein. Dommage, 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 dommage. C'est bien tenté. Je pense que t'aurais pu passer vraiment plus dans son dos, mais c'est bien tenté. J'aime beaucoup. Ok, du coup, tu vois, tu l'as mis quand même low HP. Là, on va suivre derrière. Ok, bon. On veut faire l'Herald ici, hein. Ou alors, on veut gank top, on veut faire des trucs. On va être proactif, là. Le Cassandra et le low HP, il faut faire quelque chose. C'est bien, c'est une bonne séquence, là. Très, très bien. Ça me plaît beaucoup. Ok. Avec Krugs. Krugs, et après, on back ou pas? Et après, on back. On a la Trinité. Back instant. Ok. Ok, pas mal. Ok, lui, il a pas le droit d'être là. Faut se battre là. Ping, ping, ping. Demande de la data team. Demande de la data team. Temporise le plus possible pour que ta team arrive. Là, c'est des giga trollers. Ils ont pas le droit de faire ça. Sers-toi de. Alors, ping de l'aide pour ta team. Sers-toi du mur. Et attends le plus possible pour ton ulti. Et utilise ton ulti quand le Karim utilise son R. Sinon, tu vas te faire one shot sans que tu puisses ulti. Fais quelque chose! Ok, t'avais pas ton Q spell CD. Rapproche-toi du mur, tu vas par où? Y'a personne par là. Va par là, serre-toi de ce mur-là, regarde, tu te mets ici, bam, Q spell là. Ah! Ça aurait pu être beaucoup mieux, hein. Ça aurait pu être beaucoup mieux, ça aurait pu être beaucoup, beaucoup mieux. Regarde, tu paniques trop ici. Ça se voit que tu paniques de fou. Déjà, il est où ton Z? Pourquoi t'as pas ton Z? Ok, parce que tu l'as utilisé sur les loups. Bon, ça, moi, j'aurais fait pareil, je t'avoue. Regarde. Là, il arrive, le Karim. Donc là, voilà, il faut juste déjà, quand vous jouez Kindred, si vous avez un mur pas loin, il faut aller à côté du mur. C'est impératif. Et il faut pas utiliser votre Q-spell comme ça. Il faut le garder, surtout si vous n'avez pas votre Z, il faut le garder pour l'utiliser à travers le mur. Ensuite, là, tu vois, tu peux juste rester dans cette zone-là, parce que là, tu t'écartes de ta team. Donc, tu peux juste rester dans cette zone-là. Et comme ça, ton Jax, ça lui fera moins de chemin à parcourir. Parce que là, t'es en train de fuir non seulement les ennemis, mais aussi toute ta team. T'es en train de t'enfuir de toute ta team. Donc ici, t'aurais dû plutôt courir vers ta team. T'avais ton ulti dans tous les cas. Donc c'est dommage, c'est vraiment dommage. Parce que là, tu vois, c'est galère pour eux de l'aller les chercher. Normalement, on tue tout le monde quand même. Mais voilà, pense-y les prochaines fois. Quand t'as ton ulti, faut pas paniquer, faut juste aller vers ta team. Ok. Allez, il y a le Drake maintenant, donc là on va jouer autour du Drake. Oh, la Morgana encore, ça c'est bien, voilà, autoritaire bien sûr. Ok. Pourquoi pas, hein, pourquoi pas. Vraiment, pourquoi pas, moi ça me plaît, hein. Ça me plaît, ça me plaît, ça me plaît ce que tu fais. Tu joues très agressif, mais c'est normal, tu viens de choper la Morgana, tu joues autour de la vision Drake, c'est très bien, c'est très bien. Même si tu meurs, il y a des bonnes chances que ta team récupère des kills, et dans tous les cas, contre un Kassadin qui est niveau 14, faut jouer extrêmement agressif, parce que quand il est niveau 16, c'est la fin de partie. Donc t'as pas le temps d'attendre. Par contre, qu'est-ce que tu fais là? Ok, tu veux prendre la plante. Mais allez, après, faut aller te battre. Hein. Faut aller te battre. Hein. Pose l'Hérald, va te battre. Pose l'Hérald au bot. Oh, t'es, tu... tu portes bien ton pseudo quand même, des fois. Ok, allez. Là, tu vois, c'est pareil. Tu te mets ici, là. Ici, là, tu te mets là. Hop, petit Q-spell à côté du mur. Et ouais, donc c'est bien. Tu vois, tu kites bien, mais. T'es au niveau 2 mécaniquement avec Kindred et niveau 3 si tu fais pareil mais avec des murs et tu vas être trop bien. Donc dommage. Ici tu vois tu poses l'Hérald au bot, tu joues plus avec ta team et ça passait je pense. Il y a quand même pas mal de bonnes choses mais... Ok on revient. La game est super serrée en vrai. Hein. Ok c'est bien joué ça. Si tu fais des bons plays quand même. Hein. Ouais. Allez, on tape. Mécaniquement, t'es quand même vraiment à l'aise hein, sur Kindred, ça se voit. Tu étonnes bien et tout, ça c'est vraiment cool. C'est juste, tu penses pas aux murs en fait. Et c'est très important les murs avec Kindred. C'est ton ulti, c'est pas ton ulti, c'est vraiment les murs ton ulti. Quand t'es à côté d'un mur, c'est comme si t'avais ton ulti de up. J'insiste bien sur les murs, hein. Je sais pas si vous vous en rendez compte, mais les murs sont très importants avec Kindred. Ok, on le tue. Oh, le Zonia, mes couilles. Oh, t'as pas ton ulti, tu es mort. Ah ouais, là, c'est compliqué. Et là, Cassandra est niveau 16, et ouais. Et du coup, bah, ouais, on va arrêter la revue ici. Hein. On va arrêter la revue ici. En vrai, c'était pas mal, hein. Il y a eu pas mal de petites erreurs. Mécaniquement, t'es bon, mais franchement, si t'améliores un peu ta macro, et que tu utilises un peu plus les murs, comme je l'ai dit, ça va bien se passer pour toi, parce que mécaniquement, c'est rare que je vois un tel niveau mécanique sur Kindred. Genre, j'en ai pas beaucoup parlé, mais... Genre ça se voit. Regardez, je vous remontre un peu ce qu'il fait pour ceux qui n'ont pas vu parce que j'étais un peu en accéléré. Voilà, c'était sur ce fight là. Regardez ce qu'il fait. Regardez les petits pas qu'il fait. Donc déjà là,
Bon, là, le Z, c'est de la merde. Ça, c'est... Ouais, tu commences très mal, mais... Oh, y a... auto, tu spell pour cancel l'auto. Oh, what the fuck, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait une crise d'épilepsie. Auto, donc là, c'est parfait. Il a mis le E en même temps dans l'animation du A, donc en fait, il perd aucune frame. Auto, et regardez, regardez, il bouge encore après l'auto, c'est magnifique. Magnifique, il bouge entre chaque auto, c'est magnifique. On voit qu'il fait l'effort, on voit qu'il fait l'effort. Ça, c'est très important avec Kindred quand même, parce que quand vous jouez Kindred, vous jouez un perso mécanique. Du coup, si vous n'êtes pas à l'aise mécaniquement sur le perso, bah ça complique. Et là, regardez, regardez comme il hit and run à chaque fois. Bon, ça, c'est vraiment pas mal, ça, c'est son point fort. Voilà, faut juste que tu utilises un peu plus ton cerveau. Et ça va bien se passer. Tu utilises un peu plus ton cerveau et que aussi, je pense que t'as trop envie de. Tu fais typiquement partie des junglers qui ont trop peur que leur mighty meurt ou qui ont l'impression de pas assez gank, etc. Pense à toi en priorité, mets-toi bien, farme bien et après on verra, tu vois. Et aussi ton clear jungle, faut qu'il soit bien maîtrisé. Ok, voilà. J'espère que ça vous a plu. Des bisous YouTube, je pense qu'on en publiera sur YouTube. Donc voilà, venez nous voir en live. Venez nous voir en live, on est en live là actuellement. Sur twitch.tv blanquette machin. Et puis voilà, des bisous, ciao ciao.